Il est ma gueule. T'es où toi? T'es là, à côté de ta voiture. Ouais. Fais voir toi la tronche que t'as. Oh, au début je voulais me tailler comme toi. T'appuies sur entrée, comme ça tu me verras ma gueule de près. Tu me dis si je suis bien coiffé. T'as même juste une mèche, t'as des mèches qui sortent un petit peu. Allez en route ma gueule. Écoute, toi t'as fumé un pétard, je te vide les yeux que t'as. Ah, j'ai réussi à monter des premiers coups, ah, je m'améliore. Ah, y a même pas de levier de vitesse, comment tu fais pour reculer? Bah t'appuies sur S. Ah, y a des caméras de recul sur ta voiture, t'as vu Span? Ouais ouais. Ah, la classe. Pas tomber dans l'eau, pas ton pouf, merde. Essaye de me tuer avec une porte mais j'arrive pas. Comment on fait pour te trouver sur la carte, Paul? Ah, je suis à la prison, alors attends, où c'est que je suis? Ah, je suis en plein milieu, tu vois la map, dézoome au max, c'est un endroit où ça se rétrécit beaucoup. Ouais. Et bah tu vois le gros point d'exclamation, en orange. Fabrique de drogue. Ouais, trafiquant de drogue. Ouais. Tu descends à la verticale. Et tu verras un tout petit peu sur la droite prison, je suis là. Et je suis en train d'essayer de me tuer avec une porte. Ah vas-y, je peux payer la caution. Payer caution. En fait c'est pas cher, c'est 1500 la caution en fait. C'est où? Ouais, je vois pas ta position. J'ai bien suivi ce que tu m'as dit, je me suis mis sur trafiquant de drogue. Et si y a un gros bâtiment... De toute façon, j'y suis plus. Ouais, mais nous on veut savoir où c'est. Alors attends, que je suis moi. Ah, bien, je suis à 12 km de... Cavala. Oh, je suis à Pyrgos. Bon. T'es où? À Pyrgos. C'est où ça? C'est à l'autre bout de la map. Tu vois là où ça se sépare encore très très beaucoup, là où ça se, tu sais, là où c'est très très mince, très très étroit. Ouais. Et ben à côté de l'aéroport. Ouais bah tu vois l'aéroport. Ouais. Et ben juste en dessous là t'as un lac, enfin la mer. Ouais. Et ben tu regardes sur la côte du côté droit. Ah ouais. Bah là t'as un autre point d'exclamation trafiquant de drogue. Ouais. Et bah juste à côté t'as Pyrgos, et bah moi je suis à la gendarmerie de Pyrgos. Ah t'es là, c'est là la prison. Mets le point, on arrive, mets le point, on arrive. Tiens regarde, je me suis fait mal. Ouais, je vais mettre le point. Alors c'est bah quoi, regarde, par contre là si t'arrives, j'ai envie de dire, je te dis bon courage, c'est tout ce que j'ai à te souhaiter. Pourquoi? Parce qu'il faut que t'évites les rebelles, les rochers, la physique du jeu, la voiture, et le temps. C'est tout ce qu'il faut que t'affrontes. Ouais bon, t'as mis le point, tu m'as dit que la route. Ouais ouais, j'ai mis le point. Je dis, vous avez que 12 km à faire hein. Sachant que c'est des vrais kilomètres comme en IRL à peu près. Alors. Et ben route tout droit. Ah salut frère, comment ça va? De toute façon toi tu peux pas revenir, t'es à pied. Je suis dollar en fait et du coup je suis dans la merde. J'ai les copains, normalement ils doivent venir, mais ils ont 12 km à faire et ils sont à Kavala. Mais attends, je cherche aussi, attends, mais viens, on va à la gendarmerie, je crois, un peu. Ouais, tu suis la route, Spen. Oh, en gros lapin, si je l'encule, ça fait quoi? Attends. Viens là, coquinou. Ouais, reste bien sur la route principale. Okay, bon, on trace ici, hein, on s'arrête pas. Ouais, vas-y, on écrase. Viens, on va voir pour acheter une voiture. Tu vois quelqu'un, tu l'écrases. C'est klaxon, bip bip. Zut. C'est quoi le klaxon? Je sais pas. C'est qu'elle touche Paul le klaxon? Je sais pas. Ah, suivez-moi, j'ai trouvé où c'est que pour vendre des voitures, c'est là à 300 mètres, 400 mètres. Pourquoi tu sais pas où il est le klaxon? Alors attends, le klaxon, il est... c'est le clic. Clic gauche. Ça marche? Ah si, ça marche. Voir, on fait. Et clic droit, c'est pour zoom. Ah ouais.
Vas-y, viens frère, on va acheter une voiture. Ah ouais, clic droit, on peut zoomer. Je vérifie que la porte est fermée. Donc là, tu vois les kilomètres heure alors, Spen. Non. Si, 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 tu les vois dans en haut à gauche. À gauche. Ah ouais, moi je suis déjà à 100 là. Ah ben, ça me paraît pas. C'est limite à 70. T'as assez d'essence parce que là, il y a une station. Ah quoi, il faut mettre de l'essence. Ah oui. Ouais, alors tu regardes, il y a un trait blanc, enfin une jauge blanche en dessous, enfin de, dans les environs des kilomètres heure. Ouais, ça va, je suis pas en dessous de la moitié. Ok. Faut surveiller, regarde les pompes à essence, hein. Frère, fais attention à pas de tuer, regarde, monte sur le... Ouais, fais le tour. Fais le tour, elle est là. Ça va, il y en a plusieurs. En fait, faut faire confiance à personne, à partir du moment où tu commences à parler avec quelqu'un, c'est parce qu'il a envie de te tuer. Pas tout le temps, mais les trois quarts du temps. C'était où? C'était à gauche ou à droite? Déjà trouvé à ouais, continue, continue. Il me donne 500 000 euros. Hein. Ça m'est déjà arrivé, oui, oui. Ah bon? Bien sûr, ça arrivait qu'une fois en peut-être 300, 350 heures de jeu chez mon cul. Il devait être riche. Je pense. Vends-moi des voitures, s'il te plaît. Virage serré. Framac. Vas-y, j'ai même pas assez pour en louer une. De gauche, frein à main. Je sais pas c'est quelle touche. Je sais pas, c'est quelle touche, frein à main. C'est X. Vas-y, essaye. Ouais, ça freine. Ouais. Et puis pour mettre les phares, s'il fait nuit. C'est R. C'est R. F. R. F. 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 Alors on sait les activer, on sait pas les activer en journée. Ah non, c'est L, L. L. Non. Ah bah oui, oui, oui. Mais de toute façon t'as un petit logo, genre tu vois là où t'as ta jauge d'essence et tout ça, dans les alentours t'as le logo de la lumière qui s'allume. Ouais mais non mais... Ça... Maintenant c'est... Mais non c'est pas S freiné. Vous êtes à combien de kilomètres? T'as de l'argent ou pas? Parce que pour acheter une voiture à Lyon. On a 9 kilomètres. Attends, j'entends pas ce que tu dis. 9 km. Non mais pas vous dans le jeu. Attends parce que j'ai des gogoles dans ma radio et j'entends pas ce qu'est-ce que tu dis. On va te faire foutre. Google la radio là. Bah pas grave, au pire comme ça je saurai jamais ce que t'as dit. Tellement ils veulent pas se taire. Oh là là, ah, là là là. Je crois j'ai compris, j'arrive. 8 km. Tu vas pas avoir l'argent, non? Tu te fais tresser hein. Ouais. En fait j'ai un moustique qui est venu me coller dans la gueule parce que j'ai un trou en plein milieu de ma... en plein milieu de pare-brise alors Ouais bah qui te pique toi parce que moi je suis allergique. Ah c'est quoi ça? Pas une pompe à essence. Ouais. C'est beau, là normalement je t'entends mieux. 50 km/h en ville. Vous entrez dans un 50. Putain, c'est de l'air en fait. Vas-y là, parle voir. Ouais, là c'est bon, je t'entends. Les gugus, ils ont fermé leur gueule un peu. Oh là 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 Y'a personne. Là on est à Pyrgos en fait. C'est quoi là une tu mosquée? Vois, sur la map y'a un endroit où c'est hyper étroit, ben, on est un petit peu en dessous. Une église. On est à Pyrgos à l'autre bout de Kavala, enfin 12 km de Kavala. À vol d'oiseau bien sûr. Nous on est à 8 km. De chez toi. Et mes copains ils sont à 8 km d'ici. Bah sans voiture on fait comment? On fait un marathon. Enfin, on fait un marathon. C'est parti, on y va. Vous vous suicidez. Mais ouais, c'est par là. Oh, il y avait un serpent sur la route. Hein? Trop fort. Oh ouais, je connais, t'inquiète, j'ai 300 heures de jeu dans la ville, donc t'inquiète. Casse pas la voiture, parce qu'on n'a pas de répar kit. Par contre, faut avoir
encore le temps, hein. Bon, les copains vont arriver, on sera peut-être à mi-chemin, mais... Oh, Théma, l'Hunter, les frites là-haut, tu vois au loin les frites? Ces trucs de rebelles, ça, gars. Ils vont nous raquettes si jamais on les croise. Vas-y, viens. Ah, il y avait un lapin. Ah, y a pas ton gun, on va arriver. Vas-y, les copains, ils vont te ramener aussi, t'inquiète. On va se prendre un coup de Pokémon, ils vont rien comprendre. C'est 500 pour chacun. C'est mort, je paye pas 500 pour que tu me ramènes. Mais, je sais même pas sur moi les 500. Pourquoi t'es pauvre? Bah ouais, j'ai 3000 en banque, parce que les... En fait, je suis mort, et du coup, après que je suis mort, eh ben, j'ai eu 3 fois ma paye, je crois. Ouais. Ouais, mais t'as payé combien d'amende tout à l'heure? Ah, 25 000, mais j'avais pas assez, du coup, j'ai pas payé. Du coup, je suis allé 10 minutes en tôle, sauf qu'en fait, j'ai payé pour sortir de tôle. Ah ouais. Ah, fais gaffe, il y a un camion. Ah oui, c'est eux, par chez vous. Là. Ouais. Vas-y, trace. Mec, on a croisé un camion en plus de petit jeep là avec un plein de gens. Par contre, les gars, suivez toujours la ligne orange. Ouais. Pourquoi? Bah parce que c'est la route principale et c'est mieux de la suivre parce que c'est une route où vous pouvez courir vite dessus. Enfin, rouler vite plutôt. Dessus. Et puis comme ça, après, si vous en manchez dans des petits chemins et tout ça, déjà la voiture va beaucoup moins vite, c'est pas un tout terrain. Et puis même si vous faites du hors-piste, je vous le dis tout de suite, faites jamais d'hors-piste parce que déjà la voiture va beaucoup moins vite quand on est hors-piste. Et t'as des cailloux, t'as des grillages que tu vois à peine et tout ça. Et genre ça casse les roues de tes voitures et du coup ça casse aussi tes couilles. Tu dois tout le temps la réparer. Et quand t'as pas de repair kit, et ben t'es paumé au milieu de la cambrousse avec ta voiture cassée. Voilà, on avait croisé un convoi militaire. Ah bah quand c'est ça mon gars, tu sautes pieds joints sur l'accélérateur. Bah lui il a freiné. J'ai ralenti pour passer à côté puis j'ai réaccéléré. Militaire mon gars, mais militaire, oui. C'était des méchants, hein. C'était des... Je sais pas, ils nous ont pas tiré dessus. Ouais, ils étaient en train de parler. Putain, merde dans une ville, oh les... Genre c'est de verrou là, à combien de distance? On vient de passer l'aéroport. Ah vous venez de passer l'aéroport? En vrai vous êtes tout près alors? On est à côté de la centrale d'uranium. Ah bah alors là faut continuer le trait, vous voyez là le truc vert d'essence. Et on est vers là. Ah bon? Ouais, on est vers les trucs d'essence parce qu'on a commencé à courir en fait avec le copain. Ah ouais bah ouais, ok. Hey Spen, arrête-toi et fais demi-tour. J'ai oublié de te dire pour la route, parce que je regardais la carte. Donc là ce sera à gauche. La grande route. Tu suis la route et c'est à gauche. Et nous on n'est pas à la première station essence, enfin si on vient de dépasser la deuxième station essence là. Ouais à gauche ouais. Quand tu descends. T'as les routes, ils ont été bien à l'arrache ici. Bon, pour le plan, dis ça, parce que pour le retour faudra faire le plat, je suis déjà un peu moins à mi-temps. Ah bah... De toute façon t'inquiète pas, tu vas nous prendre à côté d'une station essence. Ouais non on aura peut-être pas le temps d'y arriver. Oh, on passe à côté de la base militaire. Tu vois, centrale nucléaire d'uranium, la route orange qu'à côté. On vient juste de passer devant. La centrale nucléaire d'uranium. Ouais. Bah tu verras plus bas, tu vois, t'as le logo d'une station essence. Ouais, mais vous êtes là, on arrive. Non, on n'est pas là, mais bientôt. Ah, ok. Viens, on s'arrête ici, puis on les laisse courir jusqu'ici. Pas dans le grillage. Oh merde, on est dans le bazar. Ouais, tu t'arrêteras à la station, Spen. Ouais. Non, vas-y, on est encore loin. Je reviens dans 2 minutes. Spen, de toute façon, après, tu continues à suivre la grande route. Ouais. Tu arrives sur un pont. On est à 1,3 km de la station essence, alors s'il te plaît. Station essence. Ah, par là, copain, par là. Voilà, on a coupé 5 minutes, maintenant on n'est plus qu'à 1,2 km. Tu en as fait 100 mètres en 20 minutes. Peut-être pas 20 minutes, mais... Ouais.
Ah, pour te faire de la thune, alors au début tu fais oh regarde c'est lui, c'est mon copain Pikachu, regarde tes mains. Pour te faire de la thune, et ben tu fais au début tu fais des pêches. Eh hey, Pikachu, hey, Pikachu. Ouais vas-y spin hey. L'avatar. Les coupes hein. Vas-y déverrouille spin. Chut chut. Et là pour parler, là, pour tu t'appuies sur le point vir, les deux petits oui, points. Et puis là tu es dans le canal véhicule. Mais je parle. Là vous m'entendez là? Ouais on t'entend bien. Ouais je t'entends. Ouais. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Ah ça va mec. Ça va. Hein? Je suis revenu, vous m'entendez? Ouais je t'entends. Attends. À qui ai-je l'honneur? T'as l'honneur à Tony Montana et à moi. Ok. Et ouais, donc et ouais, sinon pour se faire des thunes, ouais bah soit tu fais le petit chouchou à sa maman, tu fais du truc légal, soit tu fais le gros tag, tu fais des trucs pas légal. Le père Brésil a encore plein de trous de balles. Pour faire de la drogue et tout ça. Ah bah c'est par là. Attends Spen, va à côté de la station essence et tu t'arrêtes, tu te mets à l'arrêt complet. Et normalement là, ça va te mettre ravitaillement, ça va clignoter. Ouais vas-y, fais le plein d'essence. Ouais bah pour aller dans... pour faire du... Arrête-toi. Pour faire des produits illicites, faut aller là où il y a de l'héroïne. Ouais, alors attends, pour faire tout ce qui est drogue et tout ça, tu regardes sur la carte, tu cherches où il y a marqué champ 2, et puis après, bah ça dépend quelle drogue que tu veux. Après, faut que t'ailles la traiter, après tu vas la revendre. Mais sauf que faut faire attention parce que tu vois, genre une unité de drogue, ça va prendre peut-être, je sais pas moi, 6 emplacements dans ton inventaire. Donc pour ça, après, faut avoir des camions et tout ça parce que, après, c'est pas rentable parce que si t'as pas un camion, parce que sur toi, du coup, tu pourras peut-être en mettre, je sais pas, 5, dans ta voiture, peut-être 8. Et du coup t'auras perdu beaucoup de temps à faire le trajet. Déjà tu perdras de l'argent. Mais nous on t'entend en double. Te nourrir, te boire et l'essence. Enfin l'essence je crois que c'est pas payant. Mais bon après tu dois prévoir donc acheter du repair kit et tout ça. Par contre Spen fais gaffe avec les bits sur les côtés de la route, ça peut te casser une roue. Hein. Ouais. Mais on t'entend deux fois là Paul. Ouais coupe ton micro deux fois. Ouais, juste Skype. Là, tu es... Vous m'entendez, vous? Ouais, moi, je t'entends. Et Paul, il m'entend? Ouais, j'entends. Et là, la Banque fédérale. Comment je sais pour mettre le... Ici, tu peux y venir pour... Il faut que tu viennes avec des explosifs. Et genre, tu fais... T'as un creux fort. Et genre, quand on fort, tu fais péter la porte. Ouais, faut 10 minutes, non? Et après les lingots d'or, ben... je crois que c'est... Ouais, 5 minutes. 5 minutes. Et après, les lingots d'or, tu les prends, tu vas les revendre. Mais genre, en général, après, t'as les pistes quand même. Parce que ça clignote la Banque fédérale sur tes bras. Là, tu m'entends, Tony? Ouais, pour avoir un camion. Et genre, le moins cher des camions, je crois que c'est 60 000. Et en plus, il n'a pas énormément de capacité, donc du coup, avant, faut que tu fasses quand même du truc légal, tu vois, faut que tu fasses pigeon. Mais nous, on a voulu faire des pêches, on s'est fait tuer. Des pêches, ça va? Bah ouais, tu peux faire soit des pêches, soit du cuivre, soit du fer. Et genre, le fer, c'est en fait le plus rentable, c'est le cuivre. Parce que genre, le fer, entre la mine et le trafiquant, et le traiteur, enfin je veux dire, a trop de trajet par rapport au cuivre. Le cuivre c'est beaucoup plus rapide, ça rapporte un tout petit peu moins, mais c'est beaucoup plus rapide en fait. Du coup c'est plus rentable de faire du cuivre. Donc au début faut que tu fasses des pêches, après que tu trouves des copains, après faut que tu aies un tout terrain, que tes copains ils aient aussi un tout terrain. Après vous faire un peu de cuivre en tout terrain. Et après, une fois que vous allez vous faire masse argent, après vous pouvez acheter un camion, vous pouvez faire du cuivre en camion. Pareil, avec les copains, ils ont encore un pick-up, c'est pas grave, hein, etc. Et après, t'évolues.
Et aussi, faut aller dans... Tu sais, genre dans les vendeurs de vêtements et tout ça, pour acheter des sacs à dos, comme ça, ça te donne plus de place dans ton inventaire virtuel. Genre là où tu mets tes pêches et tout, là, après, t'as plus d'argent. Vous avez vu, il manque à bout la voiture, à l'avant droite. Ouais, j'avais vu. Je suis à fond là. 130, c'est maximum. Il y a piscine dans le réservoir, ça avance moins bien. Mais si, je suis à 130. Hein. Hein? Non. Comment ça se fait? Ah, parce que j'ai pas encore été. Et à quelle heure tu vas aller? J'en sais rien. Il rentre demain. Je sais pas. Sinon, t'as été au coiffeur? Bah oui, tu t'es dit que j'ai un rendez-vous hier. J'avais un rendez-vous aujourd'hui à 18h. Il y a encore des spaghettis au frigo si tu veux d'ailleurs. Ouais, regarde, tu me déconcentres. Ouais, faut que j'en fasse tout, mec. Tout est prêt pour... Attends. Pompier. Ouais, c'est Spoon. Hein? Pompier est prêt? Ouais. Ah ouais, tu vas demain, Spoon. Ouais, ouais, par team. Parce qu'au pire, on va faire une convo par team. Je sais pas si vous connaissez. Si, ouais, on crée un gang. Ouais, je connais pas. Vas-y, crée un gang, comme ça on pourra parler mieux. Ouais, comme ça on pourra se parler. Oh. Ouais, vas-y. Est-ce qu'on peut parler sur Steam? Ouais, sur Steam, je peux faire des convos comme sur Skype, en fait. Mais avec des amis Steam. Ouais, mais... comme vous voulez, allez-y. Le but, c'est qu'on s'entende bien. Eh, Tony, il m'entend, Tony, quand je dis... Quand je parle, il m'entend, Tony, ici. Ben, si, il t'entend, mais si tu restes... Tu parles dans le canal véhicule, hein, Tom. Oh, comment on fait? Ah. Sur les deux petits points, slash, là. J'appuie là, jusqu'à sur le canal véhicule. Ah, ouais. Ah, oui, là, par contre, faut s'engueuler, tu sais. Ah, ben là, il m'entend, alors, maintenant. Tony Montana. Oh, c'est bon. C'est bon, eh ouais, depuis tout à l'heure, je me demandais si tu m'entendais. En fait, comme je suis un noob, tu m'entendais pas. Ouais, vas-y, on le fait. Ouais, c'était où encore il y avait les véhicules militaires? Ah, c'était sur la route un peu plus loin encore. Ah, c'était ici, je pense. Ici, quelque part, dans la ligne. Ouais, ils étaient garés là, je pense, non? Ouais, ici. Ici, sur la gauche qu'ils étaient. Non, plus loin, plus loin. Attends, je regarde la carte. Tu sais qu'on est là. En fait, on roule vers où, là? À Kalala. Vas-y, on va au traitement de cuivre, c'est pas loin. Ah merde. Bah faut la faut la lamine. Bah oui, mais pour la mine, déjà il faut ta pioche et pour le traitement il faut ta licence. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut faire là? Vendre des pêches. Vendre des pêches. Vendre des pêches? Allez, on vend des pêches.
Et tout à l'heure j'ai vendu 24 pêches, j'ai eu 0 dollars. Je t'ai demandé pourquoi, Paul, tu m'as pas dit. Puis après j'en ai vendu 5 et j'ai eu 18 dollars par pêche. Peut-être 180, mais j'avais lu 18. Je m'indiquais la route, les gars. C'est là, on est, c'est là les pêches. Tu me dis m'arrêter. Bah oui, mais Hercule maintenant. Ouais, bah minute alors, coco. Merde de Dieu. C'est une boîte manuelle, hein. Ouais. Il y a un hurleur. Bon, allez, on se remplit le coffre, on va vendre et puis après on fera de la drogue. Ouais, et Benny Montana, donne ton Skype ou ton Skype, enfin, tu sais, pour qu'on puisse faire un gros. Attends, je sais que je fais du moteur de la voiture là. Ah, bah, je peux te dire comment on fait. Échappe, échappe, configurer, son, et après, tu mets minimum. Ah! Moi j'ai cliqué sur le petit logo volume sur le Windows et puis j'ai baissé. Vous voyez? Ah ouais, non, parce qu'après du coup c'est dire que t'entends même plus les wine games, hein, ou quasiment plus après. Donc par contre chat local tu laisses à fond parce que là, les voix sont pas fortes dans le jeu par rapport à Skype, Steam et tout. Qui klaxonne? C'est un klaxon de camion. On dirait un Scania. T'as ta tenue de prison? Ouais, stylé quand même la tenue de prison. Bon, le feignant, tu sors de la voiture? Attends, je fais caca. Ouais, casse-toi. C'est ma caisse, lui. Vas-y, c'est quoi la touche pour descendre? Ah ouais, c'est la roulette. Tu ramasses pas de pêche? Qui, moi? Non, le mec là, que... Faut maintenir Windows. Pourquoi? Vous étiez tous les deux en prison, en fait. À la sortie de la prison, on s'est trouvé, on s'est retrouvé, on voulait acheter une voiture, mais en fait, on a vu qu'on avait clairement pas les tubes. Fais V, puis sur V, ça va te faire enjamber le muret. Et pour sauter, faut que tu fasses sprint, et puis après, tu fais space. Ouais, tu restes appuyé sur Windows, permanence. Sur la fenêtre. Vas-y, envoie ton Steam, je te fais ou ton Skype. Ouais, je vais prendre son Skype. Non? Ouais, plutôt ton Skype si tu peux, vu qu'on est déjà sur Skype. Ouais. Oh, il a ah, volé. C'est pas, c'est Koh-Lanta ce soir en vrai. Ah ouais, ouais. Un mec. Ça y est, je suis plein là? Ouais, peut-être. Tony. Tony Montana. Vas-y, bah le mec, attends, il est endormi, on se casse, hein. Ouais, vas-y, on se casse. Après, il va dire, eh, vas-y, il s'est débarrassé. Hein. Tu l'as fait son bâtard à pas répondre aussi. Quel chien. Ouais, ça tombe, après, tout à l'heure, il va nous emmener au truc de drogue où il y aura ses potes, et puis on va se faire défoncer. Bah, ah bon, oui. Le mec, vous commencez à nous tuer le jeu, je pense pas qu'il ait ses potes et qu'il faut de la drogue, hein, excuse-moi, mais... De quoi? Le mec, vu comment il est noob sur le jeu, ça m'étonnerait qu'il ait des potes et encore moins qu'il fasse de la drogue. Mais comment tu... peut-être esprit, hein. Comment tu sais qu'il est noob? Mais le mec, il sait pas faire les commandes. Ouais, moi non plus, je sais pas les faire. Bah, mais du coup... Mais dans un an, je pourrais te dire que je sais pas les faire non plus. Ouais, mais voilà. Alors que je serais un pro. Bah. Bon, on va faire de la simulation de guerre. Ouais, ou pas. Bah ouais, si tu veux en fait. Ouais, vas-y, on se casse et on va faire de la guerre. Bon, tu fais comment pour te casser? Donc, tu fais échappe et après faut que t'attendes 10 secondes. Et là, t'as abandonné disponible dans... 5, 3, ah ouais, il y a un chronomètre. 1,
Hop, je déconnecte. Et quoi, on respawn où se connecter? Déconnecter, déconnecter. On va vous faire deux fois déconnecter.